Gérard Hernandez, Born to be alive, né pour être vivant, chef-d'œuvre incandescent de la musique des années 80, publié en 1979. Oui, faut pas chercher à comprendre. Mais alors vous vous dites, ben, Gérard, né pour être vivant, n'est-ce pas une tautologie? On est tous nés pour être vivants. Oh, erreur grave. Déjà, Sénèque l'avait dit dans un ouvrage intitulé « La brièveté de la vie ». Nous passons que très peu de temps à vivre. Le reste n'est que du temps. Il l'a répété dans un autre essai intitulé « De la tranquillité de l'âme » en nous avertissant que la pire des choses pour un être mortel est de mourir avant sa propre mort biologique. Oh, gloire, gloire, gloire à toi, Gérard Hernandez. Jean-Paul Sartre intitulait cette capacité à renoncer à soi, à ne pas être en quête de soi, à s'identifier à son être social pour s'oublier complètement dans sa quête d'identité, la mauvaise foi. Alors, il faut dire avec Gérard Hernandez, Born to be alive, contre Johnny Hallyday, j'ai oublié de vivre. Aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Bonjour chez vous.